Madame la ministre, la mobilisation qui a suivi l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris, survenu le 15 avril 2019, a suscité un élan de générosité exceptionnel. Cependant, tout récemment, la Cour des comptes relève, dans un rapport du mois de septembre 2020, un manque de transparence dans l'utilisation de ces dons, dont le montant total s'élève à 825 millions d'euros. La Cour des comptes note que les modalités de financement de l'établissement public en charge de la maîtrise d'œuvre ne respectent pas les dispositions de la loi du 29 juillet 2019 organisant la souscription nationale. Les magistrats financiers formulent 5 recommandations pour remédier à cette situation et renforcer la confiance des donateurs. Parmi celles-ci figure la mise en place au sein de l'établissement public d'une comptabilité analytique. Cela permettrait en effet de donner à chacun des organismes collecteurs des dons une information détaillée sur l'emploi des fonds issus de la souscription nationale et répondant aux obligations de la législation française sur la générosité publique ainsi qu'aux règles spécifiques des fondations étrangères. Aussi, Madame la Ministre, pourriez-vous me dire quelles mesures le gouvernement entend prendre pour rassurer les milliers de bienfaiteurs qui ont fait preuve de générosité afin de restaurer ce joyau du patrimoine mondial de l'humanité ? Madame la Ministre, je pense que c'était bien que cette question soit posée puisque ça vous permet en effet d'apporter un certain nombre de précisions, notamment par rapport à la comptabilité analytique. Et je pense que c'est bien que ça soit dit ici dans cet hémicycle où en effet votre prédécesseur avait pris un certain nombre d'engagements. Permettez-moi juste d'insister sur un petit point qui peut-être, d'ailleurs même sûrement, n'est pas de votre autorité, mais ça me donne l'occasion de le dire. Je pense qu'il est très important qu'après 18 mois d'enquête, on ait enfin un certain nombre d'éléments sur ce qui s'est vraiment passé, parce que c'est très important. D'abord, ça rassurera à la fois les Parisiens, les Français, mais aussi les donateurs. Et puis, ça permettra peut-être aussi d'éviter que des défaillances puissent se reproduire dans le chantier, puisqu'apparemment, il apparaît que ce sont les mêmes prestataires qui interviendront. En tout cas, merci pour votre réponse.